Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Moi ça va très bien, on est parti pour vous présenter les 5 meilleurs volants qui existent pour PlayStation 4, PS3, PC, PlayStation 5, Xbox. Il n'y a pas de souci, c'est tout est compatible, les meilleurs volants pour vos jeux de simulation. C'est juste parfait pour avoir une meilleure immersion. On part sur vraiment des prix du plus petit au plus grand. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Let's go, on est parti. On est parti pour le Ori volant de course Apex. Donc le volant qui est juste parfait pour commencer vos journées de jeu et vos simulations de jeu avec le volant Apex. Donc il est juste parfait pour commencer la simulation. Et bien sûr qui est compatible sur PS4 et PC. Vous pouvez justement en faire ce que vous voulez. Alors là vous avez aussi le pédalage donc, qui est juste par palette justement pour changer les vitesses. Faire comme vous voulez, ils sont tous équipés de cela. Il n'y a pas de souci, facile d'installation, peu cher. Franchement ça c'est une bonne, c'est un très bon avantage. Vous pouvez personnaliser, vous avez 14 touches personnalisables sur le volant Apex et bien sûr vous pouvez voilà, les personnaliser avec, avec les logiciels ou même avec les jeux directement, compatible avec tous les jeux en général de simulation sans problème. Le petit inconvénient c'est au niveau du volant, le volant ne se tourne pas complètement, c'est que du 260 degrés, il se tourne pas en 360, donc faire très bien attention. Très à l'aise au niveau même quand même au niveau des pédales sans problème, vous pouvez vraiment être vraiment tranquille à ce niveau là. Vous n'avez pas de soucis de retour au niveau du volant et au niveau des pédales si elles sont par la suite données avec. Vous avez donc oui, un bon retour quand même au niveau des pédales et tout ça. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas on va parler vos premières parties. En plus vous avez des ventouses donc vous pouvez directement le mettre sur votre bureau en ventouse. Ça c'est un truc que j'ai pas précisé non plus. Mais voilà, au moins vous avez ce petit, avec un bon petit pack assez sympa pour PlayStation principalement. Mais vous pouvez aussi l'envoyer sur PC sans trop de problèmes. On est parti pour le Thrustmaster F Ferrari 458. Donc oui, là, ça ressemble beaucoup à voiture Ferrari. Donc, et donc, il est parfait. Alors, par contre, celui-là, il est exclusif à Xbox Series X ou Xbox One. Donc, principalement, les consoles Xbox et pas PC. Donc, c'est vraiment exclusif à la version Xbox. Donc, du coup, vous avez du coup un meilleur volant. Donc par contre lui il n'a pas de souci pour se tourner etc. Qui ressemble énormément d'ailleurs le volant ressemble beaucoup ben, comme je l'ai dit au Ferrari. Ils ont fait vraiment la réplique hein, entre guillemets je crois de la Spider. Voilà la Ferrari 458 Spider. Vous avez vraiment une réplique à ce niveau là. Vous avez dessus bon, un bon retour au niveau des pédales de, voilà, des pédales d'accélération, de frein etc. Donc très très bien aussi. Vous avez aussi par contre là, vous pouvez vraiment tourner le volant à son maximum sans trop de problèmes. Et vraiment un bon retour à ce niveau-là. Donc voilà, vraiment très 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 sympa pour commencer sur Xbox. Voilà, juste vos parties sur Xbox, c'est vraiment... allez-y, franchement, il est vraiment très sympa. Et bien sûr, alors juste un petit inconvénient là-dessus, je dirais, c'est peut-être au niveau des pédales. Au niveau de l'accroche des pédales, ça glisse un peu. C'est ce que j'aurais tendance à vous dire, mais sinon à part ça franchement très très bon, très très bon produit et vraiment très qualitatif. Et en plus vous avez une bonne prise en main au niveau parce qu'il y a des grips justement sur le volant Ferrari et du coup ça glisse un peu moins. Vous pouvez d'ailleurs bien le fixer sur votre bureau si vous avez vraiment ce souci là. Et d'ailleurs voilà franchement 30, pas de souci, pareil pour un peu moins de 100€. Donc voilà. On passe pour le prochain, le Thrustmaster de T248. Donc vous avez un design avec des finitions en cuir. Donc là on est vraiment sur un plus haut de gamme. Donc le T248 et encore il y a un Thrustmaster que je vais vous montrer après qui est encore beaucoup plus élevé. Donc là par contre compatible vraiment avec toutes les consoles. Donc vous avez une version Xbox et une version PlayStation. Donc faire attention dans les liens que je vais vous donner justement en description. N'hésitez surtout pas. D'ailleurs tout est en description. Si vous recherchez ces produits c'est en description. D'ailleurs, n'hésite pas à laisser un ton petit pouce bleu et à t'abonner aussi à cette chaîne, ça fait énormément plaisir, merci beaucoup. Du coup, alors vous avez un tableau de bord interactif incluant une sélection de plus de 20 affichages différents sur l'écran du volant. Vous avez un retour de force dynamique, un réglage de niveau de retour de force à la volée, donc 3 modes presets inclus via l'écran et compatible dans tous les jeux. Vous avez les palettes de vitesse, technologie brevetée Earth, donc ça c'est, oui, bon, ça c'est encore, c'est très technique.
Mais sinon, vous avez des palettes magnétiques et de vitesse magnétique. Donc ça, c'est vraiment très très sympa. Par contre, il fait plus côté... alors, vraiment, moi, je trouve qu'il ressemble beaucoup à un plus côté jeu vidéo. Donc, il a plus un côté jeu vidéo au niveau du volant. Vous avez au niveau des pédales, donc le frein, l'embrayage, etc. Donc ça, c'est vraiment, vraiment un plus. Pour le retour, voilà. Après, franchement, un bon grip aussi. Franchement, ça glisse pas vraiment. Vous êtes vraiment bien, bien confortable avec. Vous avez une version donc PlayStation 5, PS4 et compatible PC directement. Et donc, tout ça pour un prix de moins de 300 euros. Donc, n'hésitez pas si vraiment vous voulez vraiment y aller à fond dessus. Puis, vous avez un retour aussi donc jusqu'à 25 boutons d'action d'ailleurs que vous pouvez personnaliser. Donc, c'est quand même très sympa aussi. Donc, voilà, franchement, très bon produit. À vous de voir. Après, voilà, c'est un peu plus haut de gamme. Donc à vous de voir, renseignez-vous et dans la description si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas. Vous avez un retour de force hybride drive dessus, donc je n'ai pas précisé non plus, donc qui est très important aussi. Et des pédales magnétiques justement, donc ça permet une immersion déjà beaucoup plus entrée dans le jeu et franchement très sympa. Du coup, on va passer sur le Logitech G923, donc c'est celui qu'on entend le plus parler, enfin moi en tout cas c'est celui que je l'ai le plus entendu parler. Donc très très bon produit de chez Logitech qui est compatible pareil sur la plupart de toutes les consoles sans problème. À vous de bien mettre la bonne case que ce soit pour Xbox ou PlayStation, ça à vous de voir. PlayStation PC ou Xbox PC, donc parce que c'est deux différents trucs. Vous avez aussi la version avec le True Force, juste le True Force, ou la version le True Force plus levier de vitesse. Donc ça c'est quand même un très 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 très, très bon point. Vous avez un retour de force True Force, comme je vous l'ai dit. Vous avez qui libère justement le pilote, qui vous donne la technologie de True Force avec 4000 ajustements par seconde. Donc pour un réalisme beaucoup plus fou, jusqu'au moindre détail. Vous avez un embrayage, donc donné avec programmable pour des courses encore plus réalistes. Donc ça, c'est encore mieux. Donc en gros, enfin pour moi en tout cas, celui-là, il est beaucoup plus donné pour une meilleure immersion. Pareil pour 300, un peu plus de 300 euros. Franchement, très sympa. Il prend très peu de place. Franchement, très facile plug and play. La plupart sont tous plug and play en USB. Vous avez pas vraiment, c'est très facile à installer. Après, vous n'avez plus qu'à lancer le jeu et franchement, sans trop de problèmes. D'ailleurs, lien en description de celui-là, le G923. Vous avez des volants et puis en plus le levier de vitesse qui est très sympa aussi. Voilà, vous avez en plus des pédales en métal. Donc vraiment un point de vue très 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 sobre et aussi un point de vue très qualitatif pour le volant. Du coup voilà, franchement si vous voulez vous y mettre dessus, n'hésitez surtout pas. D'ailleurs en plus, je vous mettrai en plus dessus dans la description le support de volant plus voilà, volant et levier de vitesse et pédales. Si vous le souhaitez directement, je vous le mettrai en description aussi. Donc, allez regarder, ça coûte 120 euros. Donc voilà, si vous voulez voir, n'hésitez pas. Et je vous mettrai aussi le levier de vitesse du Logitech. Comme ça, au moins, vous serez vraiment au point jusqu'à niveau-là. Comme ça, dans la description, comme ça, si vous voulez. Donc voilà, franchement, contrôle volant, design racing classique. Donc, comme je l'ai dit, après, franchement, au niveau du volant, vous avez toute une immersion. Donc, allez-y, foncez, parce que vraiment très sympa aussi pour ce volant. Alors on passe au dernier, donc il vaut vraiment son prix, alors là il est beaucoup plus cher, mais franchement il vaut largement son prix parce qu'il est beaucoup plus haut de gamme et forcément il est considéré pour les Xbox One et Windows, donc PC, et Xbox Series X et Series S, voilà donc sans trop de problèmes aussi à ce niveau-là. Vous avez, alors franchement c'est du très haut de gamme, vraiment considéré pour les Thrustmaster, le TS-XW Racer Sparco de la P310. Donc vous avez vraiment, donc avec ce volant Sparco et mélangé avec Thrustmaster, vous pouvez changer directement le volant. Donc ça c'est vraiment un plus, donc vous pouvez changer de volant et mettre un volant un peu plus adapté en fonction du jeu que vous voulez ou adapté à vous-même tout simplement. Vous avez aussi ben, voilà, un retour que ce soit performant. Donc il est équipé d'un système à double courroie avec un axe monté sur roulement à billes métallique. Donc avec un angle de rotation jusqu'à 1080 degrés, donc c'est énorme, vraiment, franchement, et le pédalier est vraiment large, solide et réglable, donc ça c'est une bonne chose aussi. Oui, il bénéficie d'un système de force feedback avec moteur brushless, donc en gros 40 watts avec un système de refroidissement, donc vous avez dessus vraiment toutes les technologies les plus récentes et aussi les plus confortables et puis pour de meilleures sensations aussi dessus. Donc vraiment, vous allez sentir pareil comme le G923. Très 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 sympa, vous avez un bon écosystème de Thrustmaster, vous pouvez changer le volant, ça c'est, je l'ai rajouté aussi.
Vous avez un turbo power dessus, ultra rapide provenant du jeu. Sa forme torique associée à sa conception offre un rendement optimisé de 86%. Donc voilà, vous avez un pédalier inclus, hein, bien sûr, dessus. Donc franchement, très très sympa et pour son prix, ça le vaut largement. Et vous avez vraiment... comme si vous étiez vraiment dans une voiture de course. Hein, littéralement, une voiture de course sans trop de problèmes. Voilà, vraiment un bon gros truc très 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 haut de gamme. Vraiment un volant très haut de gamme. Bon, franchement, pour la simulation, vous ne pourrez pas avoir mieux, je pense, à ce niveau-là. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et on se dit à la fois prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, à la prochaine pour d'autres nouvelles vidéos sur 2022. Ciao, ciao.